Le prince Harry et son épouse Meghan sont arrivés vendredi au Nigeria. Sur invitation de l'armée, le prince vient promouvoir les Invictus Games, compétition sportive fondée en 2014 par le duc à la gloire des vétérans de guerre. Rencontrer le duc et la duchesse aujourd'hui m'a donné le sentiment que je peux tout faire. Et c'est ce que j'espère continuer à faire, en gardant toujours à l'esprit que je peux tout faire tant que je m'y mets. Le couple s'est rendu à l'école Lightway Academy en soutien à la santé mentale des jeunes affectés par la guerre. La visite du duc et de la duchesse de Sussex signifie beaucoup pour nous dans cette école parce qu'elles mettent en évidence tout d'abord leur partenariat avec nos partenaires Gianco. Elles mettent en évidence également le fait qu'ils pensent que la santé mentale est très importante et c'est un message que nous aimerions tous transmettre aux jeunes. En tant qu'école, cela nous a permis d'avoir une conversation très saine sur la question de la santé mentale. Le prince Harry et Meghan Markle arrivent au Nigeria pour la première fois. Le pays a rejoint les Invictus Games en 2022.